Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode 2 de South Park, l'anal du destin. Et un grand merci tout d'abord pour cet accueil que vous avez fait pour l'épisode 1. Vous êtes toujours incroyable et ça c'est totalement dingue. Je ne peux à chaque fois que vous remercier et vous sortir des épisodes rapides parce que vous êtes géniaux tout simplement. Je vous fais d'énormes bisous. On avait réussi à entrer dans la grotte, la cave secrète de Cartman, la réunion de super-héros, et il y avait un problème. Il y avait un problème, la plupart des super-héros ont été envoyés, et nous, on n'a pas encore parlé à notre ami Cartman, donc on va le faire de ce pas, on va essayer de voir où il est. Il est là. Super Craig, Super Craig, ici le Kroon, tu me reçois? Super Craig, t'es où, bordel? Je répète, t'es où, bordel, Super Craig? Oh putain de merde, le système de sécurité déconne ou quoi? Les citoyens ordinaires n'ont pas le droit de pénétrer dans le repère du Kroon. On joue au super-héros maintenant, et t'es pas un super-héros, le nouveau. Alors, alors dégage. Bon, ok, tu peux nous regarder jouer au super-héros, tant que tu ne nous déranges pas. Et rends-toi utile, file-moi le Staffernizi, il est par là. D'accord, le Staffernizi entre en mode inspection pour trouver des objets d'intérêt en maintenant LT. Ah, c'est peut-être ça mon avantage finalement, c'est peut-être ça mon seul et unique super pouvoir. Utiliser L pour trouver des objets d'intérêt. On va trouver des objets d'intérêt, alors qu'est-ce qu'un objet d'intérêt concrètement? Le Staffernizi. Mais sérieux, t'arrives pas à trouver le Staffernizi? Nous les super-héros, on utilise le mob inspection. Ok, ouais mais attends gros, je vois que tu paniques. Rapporte le Staffernizi au Kroon. Je ne le vois pas en fait. Non mais il est là non? C'est ça? Ah merde j'ai pété, pardon. C'est ça. Arrête putain! Ah il est là! On l'a. Qu'est-ce qu''il faut faire? Il faut le prendre tout simplement. Ah, outil Staffernizi, d'accord, il suffisait de le prendre, je pensais qu'il fallait le détecter et tout. Aucun problème. Alors là on a une sorte de photo à prendre. Est-ce que je peux prendre une photo ou quelque chose? Je sais pas, on a une sorte d'info, on verra peut-être un peu plus tard. Je me demande si on va pouvoir choisir notre costume de super-héros et pourquoi pas notre pouvoir, ça serait juste génial. Eh ben, il t'en a fallu du temps. Staffernizi actif. Tu veux devenir un véritable super-héros, hein? Jouer dans la cour des grands. Peut-être que tu pourrais te rendre utile. Assieds-toi à la table, connard. Voyons voir, les NSA du moustique. La vache. C'est du langage humain, ça? Déjà, si je peux me permettre, c'est Monsieur Connard, ok? Donc un petit peu de respect. Alors, pour jouer au super-héros, il faut que tu te crées un personnage de super-héros. Ensuite, tu pourras remplir ta fiche personnage sur Instagram. T'as bien une page Instagram? Oh, j'y crois pas, t'es même pas sur Instagram? Oh, bon, je vais t'en créer une. On se fout de ma gueule, là. Alors, Donc la première chose à renseigner sur ta fiche de perso, c'est ta classe. Genre, quel genre de super-héros es-tu? Et comme t'es un noob, je vais te laisser le choix entre trois options pour l'instant. D'accord, donc Speedster. Les lois de la physique ne sont que du vent pour le Speedster. Un héros capable de courber l'espace-temps afin de faire régner la justice. Alors courber à sa manière, Speedster. Vous l'aurez compris. Ok. Brutaliste. Brutaliste. Le brutaliste est un bagarreur au corps à corps spécialisé dans les blessures au poing et expert pour envoyer paître les ennemis. Exploseur. Un exploseur ne se contente pas de regarder le monde brûler, il en allume la première étincelle. Ses dégâts sont mortels à n'importe quelle distance. D'accord. Donc cerveau, cerveau, le signe ok, cerveau. Je regarde les skills. Brutaliste. Taper, 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 signe ok. Speedster. Taper, taper, signe ok, taper. Oh là là, j'hésite, je sais pas. Oh, c'est quoi cette question? Un super-héros doit savoir prendre des décisions. Et bah là, je sais pas là, Cartman. Va falloir réfléchir avec ça, et ça me plaît bien. Allez, on va prendre l'exploseur. Un exploseur, doué de pouvoir à distance, comme Cyclope. D'accord, donc j'ai que des pouvoirs à distance. Et par contre, je prends la moitié des cases. Ok, joue au plus con, ce sera Speedster, comme Flash ou Quicksilver. D'accord, ça par contre c'est clairement du corps à corps et ça j'en parle même un pas. Un brutaliste comme The Thing ou comme un Batman super vénère. Ok, ça c'est full corps à corps. Un Speedster, il va très vite et c'est tout, il va vite. Ok, je pense que ça c'est pas mal. Ça me paraît pas mal, ça prend toutes les lignes, horizontales comme verticales. Il y a de quoi faire, ça me paraît pas mal. On va prendre Exploseur. D'accord, connard, mais d'abord, on doit déterminer le trauma qui a fait basculer ta vie. Tu vois, connard, tous les super-héros ont des origines marquantes. C'est de ces origines que leurs pouvoirs prennent tout leur sens. Revenons sur ton enfance.
Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. Comme bien d'autres nuits, tu n'arrives pas à dormir car tu te sais différent des autres. Tu t'approches du miroir. D'accord, donc je suis censé m'approcher du miroir. On a toujours Cartman. Du miroir. Non, j'ai envie de jouer du piano. On va essayer de le rendre fou un peu, le Cartman, là. On va essayer là-bas, de le rendre fou. Le miroir. Il commence à péter un câble. On va y aller, mais avant cela... Vas-y, d'accord? Vas-y, marche! Non, pas par là, vas-y! Tu te regardes dans la glace et tu te sens seul. Et c'est là que tout chavire. Un bruit. Tu jurerais que ta mère appelle à l'aide. Tu sors de ta chambre. Là, dans le couloir, tu aperçois deux intrus devant la porte de tes parents. Il faut les empêcher de nuire. Tu sais que tu peux les arrêter. C'est alors que pour la première fois, tu fais appel à tes pouvoirs d'exploseur! Un authentique héros exploseur, tu entres en surchauffe car le feu s'est allumé dans ton ventre. Tu infliges sans tarder d'atroces brûlures aux méchants qui te font face. D'accord, donc j'ai mes pouvoirs d'exploseur. C'est parti, on va les utiliser. Qu'est-ce qu'on peut... Ah putain, on peut vraiment attaquer de loin, ça c'est plaisant ça. Ça me plaît bien ça. Ok, bougez pas, là on est bon. Ah, c'est pas mal, ça me plaît ça. Alors que s'estompent les flammes, les intrus comprennent à qui ils sont affaire. Merde, ce petit flambeur ne rigole pas. Ta mère ne t'a pas dit de pas jouer avec le feu? Les intrus passent à l'attaque. Ah oui, d'accord. Ah, mais ça m'arrache au pied de biche. Il y avait un A, j'ai pas laissé le choix, petit. J'ai pas eu le temps de l'utiliser, les gars, je sais pas ce que ça fait. Oh, trop stylé. Le feu, il se propage. Alors que les ennemis approchent, okay. Tu te dégages en les repoussant. Yes! Oh, ça c'est beau ça. Je peux repousser 3 d'affilée. C'est pas mal ça. Mais les intrus n'aiment pas se faire bousculer. Eh, t'as pas le droit de nous bousculer comme ça. C'est bon, j'ai récupéré un HP, je crois. Ok, c'est pas mal, hein. C'est vraiment bien foutu leur système de combat, je trouve, hein. Ils étaient loin de se douter qu'ils se condamnaient eux-mêmes. Oh, ça c'est pas mal, ça me plaît ça. C'est quoi ce putain de laser? Quelle portée! Ah, ça me plaît bien ça! Mais restez sur le côté! Son camarade hors de combat, le gros moche approche! Ok. Ultime prêt, j'ai mon ulti, les gars! C'est bouillant, hein, petit flambeur! Ouais, on l'a bien calmé. D'accord, donc au-dessus, c'est ma barre d'ulti. Tu as été grièvement blessé, mais les coups des intrus n'ont fait qu'attiser les flammes qui brûlent en toi! Tu encaisses la douleur et tu lances ton attaque ultime! C'est dégueulasse. Et tu en viens finalement à bout. Tout semble rentrer dans l'ordre. Jusqu'à ce que tu arrives à la porte de tes parents. Qu'ils étaient en train de forniquer. Ce que tu vas voir en ouvrant la porte va changer ta vie à jamais. Et te pousser à combattre le crime. Mais il est trop tard. En ouvrant la porte, tu vois ton père baiser ta mère. Waouh, c'est un récit quasi insoutenable. Tu combats le crime car tu n'as jamais pu oublier la nuit où tu es arrivé trop tard, où tu as vu ton propre père, l'homme en qui tu avais confiance, baiser ta mère. C'est comme une faille irréparable dans le temps, n'est-ce pas? Bon, maintenant que t'es un super-héros, j'ai une mission pour toi. Va en ville et essaie de récupérer le plus de followers possible sur Instagram. C'est la seule solution pour que notre franchise survive. Le costume est dégueulasse, les gars. C'est terrible. Costume installé, Instagram. Bon, vous l'aurez compris, hein, c'est bien évidemment une parodie d'Instagram. Et le but, ça va être de se faire un maximum de followers. Je sais pas du tout comment on va taffer ça, mais on va voir ça très rapidement de toute façon. Donc c'est parti, fiche perso installée. J'ai pas mal de trucs. Salut le nouveau, moi c'est Jésus. Alors comme ça, tu as un season pass? Malin. Ah merde, t'as dit, reviens Jésus. Ok les gars, voyons si on trouve des traces de sacripants dans le coin. Y a trop de choses à faire. Le maire serait trop occupé pour s'occuper d'un chat. Désolé, Kun. Gagne des followers en convainquant les gens de prendre des selfies avec toi. Maintiens LT pour trouver des gens avec qui prendre des selfies. D'accord. Tu peux prendre des selfies avec les personnages auréolés d'une icône appareil photo. Ah, c'était pour ça l'appareil photo. Pour demander un selfie à quelqu'un, on va le voir et appuie sur RB. Ok. Donc elle, normalement... Ah, pardon, excusez-moi, madame. Un selfie! Oh oui, j'en ai entendu parler. Ah, mais c'est génial! On peut choisir... Attends.
On peut changer l'humeur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Mais c'est pas mal, ça. C'est pas très marrant. Ah, voilà, on est pas mal, là. On se rapproche le plus près de mamie. Allez, oh, mademoiselle Fornicle. Je te verrai sur Instagram. Ok, appuyez sur cette touche pour ouvrir ton téléphone. Je dis cette touche parce que je ne sais pas c'est laquelle. Je suis sur une manette 360, j'ai trouvé. Ouvre Instagram pour voir le selfie publié. Ça serait bien qu'il y ait des faux commentaires. Ça serait énorme. Instagram. Non, MDR, il y a des hashtags et tout. Non, mais ils sont fous. Mademoiselle Farnicle est maintenant une follower. Une follower sur le coup. Hein. Seuls les gens qui prennent des selfies avec toi vont te suivre. D'accord. Appuie sur Y pour voir tes gens qui te suivent. Instagram suivra automatiquement tes followers. Obtiens d'autres followers pour améliorer ton rang de héros sur ta fiche de perso. D'accord, c'est pas mal, faut être influenceur. Oh là là, ça me plaît ça. Ça me plaît énormément. Bah c'est parti, on va essayer de chercher d'autres personnes encore. J'essaye de voir en même temps. Ah, on peut ouvrir les garages. Non, putain, j'y croyais beaucoup trop. Ok, lui, on peut lui demander. Hop, je te pète à la gueule. Je ferai un selfie avec toi quand tu auras plus de followers, ok? Ah d'accord, d'accord. Donc tu... Tiens, hé hey, gros, hé, hey, vraiment, c'est quoi? Parce que tu mérites pas mieux, mon pote, ok? Ok, je peux entrer dans cette maison, qui est la mienne d'ailleurs. Ah, bonjour le nouveau. J'espère que tu sais mieux éviter les ennuis que mon petit Butters. Ah non, mais non, mais non, c'est le papa de Butters. Oh, énorme! Il est où, Butters? Attends, on va fouiller le frigo, là. Hop, on s'en bat les couilles. Tiens, ça va, madame? Vous explorez la maison? Vous avez l'air de bien vous amuser. Ouais, c'est ça, ouais. Heureusement, hey. Nos objets de valeur sont dans le coffre sous le lit. Heureusement, nos objets de valeur. Trison! On va y aller, les gars! On va chercher les petits objets de valeur dans le coffre sous le lit. T'es où, Butters? Attendez, hop, on va tout fouiller. Oh, merde! J'ai passé, merde, pardon! Mais à coup de pas! J'ai totalement passé, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai eu. Ah, oh, je suis désolé, les gars, putain. J'ai eu un réflexe A d'un coup qui est venu, c'était terrible. Ok, on ramasse pas mal de trucs. DVD de lutte gréco-romaine. C'est pas mal aussi de regarder de temps en temps ce qu'on ramasse. Ça, c'est drôle. Code de conduite d'amateur de drone. Oh, monsieur est amateur de drone. Sainte Bible monogrammée. Ok, c'est par ici. Ah, il y a une autre porte avant qui est pas... Ah, c'est verrouillé. Attendez. Ok, c'est totalement verrouillé. C'est sous le lit, hein. Bande de tissu. Ok, faut que j'arrive à aller sous le lit des parents. Dentier déglingué poisseux. Sainte Bible. D'accord, on peut pas regarder sous lui. Hop, on lâche une petite caisse ici. Une deuxième, parce que c'est moi qui régale. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais c'est toujours très drôle, hein. Hop, on n'a pas baptisé cette pièce, hein. Hop, c'est chose faite, on n'en parle plus. Et voilà. Toujours la baptiser à 200 droits pour que l'odeur se propage un maximum. Ok, on n'a pas pu récupérer sous le lit. Ah, par contre, je peux peut-être aller dans les chiottes. Faire ma petite séance au calme. Ben ouais, mon gars. Allez, on est parti. On va chier nos grands morts. Chaque épisode, c'est une belle merde en moins. On est pas mal. On est... Va falloir découper la merde après. Hein. Ah, c'est dégueulasse. Putain. Ah, la merde au cul. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais c'est tellement drôle. Score récupéré des égouts. Oh. Rang de héros, ça augmente le rang de héros. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, c'est pas mal. On a rien par là-bas. Pas un petit garage, rien. Ok, on peut partir, les gars. On peut partir. Bon. Oh, mademoiselle. Hop, cet enfant a sûrement des soucis à la maison. Ah, d'accord. Hop, c'est cadeau. Ah tiens, toi tu veux peut-être un petit selfie. Faut pas apparaître sur une photo avec quelqu'un qui a si peu de followers. C'est sérieux là? Vous me chiez tous dessus les mecs? Je ne suis plus rien pour vous. Oh, le garage! Ok, on peut monter là-haut, hein. Il y a des choses à faire. Ah ouais, il y a des trucs à casser, j'avais oublié. Putain, faut pas que j'oublie tout ça. Ok. Il y a un moyen d'aller en haut, hein, les gars. Il y a un moyen pour aller sur cette échelle. Il y a écrit CAF. C'est le signe. Ah, saloperie. Hein? Pas maintenant, le nouveau. Oh, pardon. Faut que j'arrête de me gourer de touche. Hey, tu peux m'aider? Ce truc est coincé. Hey, je suis juste un fonceur. Oh, t'as réussi à l'ouvrir. Tu fais honneur au super-héros, mon petit. Allez, on va changer l'humeur. Qu'est-ce qu'on a? Ça fait style, il veut me violer. Allez, on est bon. Ah, on a même des filtres. Putain, mais les gars, vous êtes...
C'est dingue. On a même des flics. Magazine Eurocar, c'est bon ça, merci mon frérot. Oh, t'as réussi à l'ouvrir. Tu fais honneur. Dans ta gueule. Allez, c'est parti, on passe à la suite. Instagram, normalement j'ai 2 followers. Ah, d'accord. Ok, normalement j'ai 2 abonnements. Hein. Pourquoi j'ai que mademoiselle... Pourtant j'ai eu 2 posts, je ne comprends pas. Super héros, mon petit. Hop. Écoute, je ne fais des selfies qu'avec des gens connus. Ah, d'accord. Donc tout le monde me chie littéralement dessus. Hein. Par contre, je suis en train de chier mes grands morts partout où on va, désolé. Ah, peut-être avec mes parents, non? Eh, ça compte pour des followers. Attendez, ma mère est toujours en train de chialer en bas, là. Maman? Non. Ouais, ça va, oh. Maman, ne pleure pas, mon... Allez. Elle se répète, c'est scripté. On part. On est parti. Faut que j'arrête de confondre les touches, c'est terrible. Ça fait que je lâche des gros pets au lieu de prendre des selfies. Les gars, je vous promets que je fais pas exprès. Le nouveau, on dirait que tu as atteint les limites de l'univers connu. Au-delà, ce sont les limites du temps et de l'espace. Ok, donc on peut pas aller plus loin. Très bien. Donc ma maison est tout à gauche, à savoir. Là, c'est bon, tu veux bien faire un selfie? Yes! Ok, on est pas mal, là. On va prendre quoi? On va prendre ce filtre. Quand je serai chez moi, je jouerai à Star Trek sans mon casque RV, ça va être trop cool. Ok, on a déjà pris la photo, on a déjà pris... Donc ça fait que lui, je ferai un selfie avec toi quand tu auras plus de followers, non. Ok. Et peut-être lui, là-haut, à gauche, vu que j'ai eu quelques followers en plus, on sait jamais. Oh, regardez, là-bas, c'est quoi? Une sorte de boule de pétanque en plein dehors, je ne sais pas pour quelle Écoute, raison. Écoute, je ne fais des selfies qu'avec des gens connus. D'accord, ok. Hop, c'est cadeau. Lui, il a bien voulu un selfie, on va pas lui chier à la gueule. Ben, on va pouvoir aller à droite, les gars. Ici, c'est la maison de Cartman. Peut-être toi, mon frérot. Jamais de la vie, je vais pas faire un selfie avec toi, t'es personne. D'accord. On me chie vraiment dessus. Il y a quelque chose en haut. Ah, je pensais pouvoir faire tomber. Ok, attendez, bougez pas, c'est quoi ça? Ah, on peut rien faire avec les bombes de peinture, on a un sac. Boum! Notaire dégarni, costume, d'accord, on va pouvoir changer de coupe, ça c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon, il n'y a rien de plus dans le garage, les gars. Peut-être, attendez. J'ai appris de tout à l'heure. Magazine Belle. Mec, fais demi-tour, c'est ça que j'essayais de te dire. Ah, d'accord. D'accord, je vois qu'on peut même pas passer par ici. Bah, peut-être en repassant par par le jardin, finalement. Ça me paraît être une bonne idée. Normalement, il y a toujours ceux qui jouent au jeu du bâton de la vérité. Donc, ça devrait être bon. Hey. N'oubliez pas de ranger derrière vous. On aurait facilement pu vous shipper tous ces Legos en parfait état. Ok. J'ai pas pu fouiller chez lui. Si, j'ai pu fouiller. Dans le jardin, il doit y avoir quelque chose, hein, les gars. Sinon, peut-être à Koopa Keep. Il y a personne, il y a plus personne. Ça, c'était... Ça, je me souviens que c'était un peu le lobby... Oh, trop bien. Le lobby de... Bâton de la vérité. Ah oui, mais tu peux tout casser. Il y a plein de trucs partout, en fait. J'aurais dû taper dans le lit, en fait, des parents. Ok, en haut, il y a sûrement quelque chose. Je peux pas aller plus haut. Yes, rayure, guerrier, c'est un costume. D'accord. On est parti. Longue vue d'antan. Ah, je suis bloqué. Oh non. Oh non. Je suis bugué. Non, les gars, non. Attendez. Je suis totalement bugué, ça arrive qu'à moi! J'ai envie de pleurer! Oh putain! Ok, gagner de nouveau. Je vais la retenter, je m'en bats les couilles. Sinon, c'est un bug récurrent, faut le signaler, les gars. Ok, rayure costume, comme je disais, et on est reparti, on descend. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non! Je suis rebugué! Mais c'est un bug, mais comment les bêta-testeurs ont pu passer à côté de ça, les gars? Mais pourtant. Ah, désolé, je ne suis personne sur les réseaux sociaux. Un selfie, bien sûr, gamin, avec plaisir. Ah, d'accord, ok. Il y a une différence entre le selfie de proche. Oh là 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 là. Parce que je prenais des selfies, mais okay, ça c'était pas pris en compte. En gros, je peux sortir l'appareil photo n'importe quand. D'accord, les gars. Ok, t'es assez connu pour que je fasse un selfie avec toi. Ça va se faire, les mecs, ok. On a perdu un petit peu de temps, c'est pas grave, fallait comprendre. En fait, quand j'appuie sur RB... On est potes maintenant, j'imagine. Si t'es pas collé au mec, ça sort l'appareil photo comme cela. C'est pour ça qu'on était de loin en vue. Et c'est pour ça que je me posais pas mal de questions. Bon, bah maintenant, toi, tu vas pouvoir, en fait, non? Je pense qu'on a assez de followers en commun pour faire un selfie. Allez, vas-y, régale-moi. Allez. Yuppie. Kevin Stolley. Pas
pas mal, Trouduc. T'as gagné des followers assez vite. Continue comme ça. J'ai du mal à joindre certains membres de la bande. Essaie de découvrir ce qui se trame. Eh ben vas-y, on va essayer, les gars. Ok, bonne chose de faite, les gars. Bon, on avait perdu un petit peu. Quand je serai, c'est moi, je jouerai à Star... J'étais bloqué, fallait ouvrir le menu, j'ai eu très très peur. Ok, il y a une carte, les gars. Et la carte... Oh là là, c'est une belle carte que nous avons là. Ta maison... Ah, je suis à côté de la maison de Butters. Et maison de Cartman aussi. Là, c'est là où j'ai été jusqu'ici. Donc maintenant, je suppose que je peux aller... Ah non, je peux plus aller à gauche encore. Appuyez sur LB pour voir les missions disponibles. Retrouvez Kyle chez lui. Le choc des mondes parallèles. Ah, eux, ils sont encore dans le bâton de la vérité. Pourquoi pas? C'est une quête secondaire et ça, c'est quête principale. Hein. Les chaînes de Super Greg. C'est de Super Craig, pardon. C'est les quêtes principales. Ah, même pas. Je peux pas savoir, en fait. Mission épinglée, mission principale, c'est bleu. Et les missions annexes, c'est vert. Et emplacement actuel, ça, vous l'aurez compris. D'accord. Ok. On est bon? On est sur deux missions principales, là. Ça fait plaisir. Mon casque RP, ça va être trop cool. Appuyez sur LB pour afficher la carte. Yes, un petit raccourci. D'accord, ok. Bon, c'est fait. Carte installée. Ok, t'es assez connu pour que je fasse un selfie avec toi. Toi, t'étais un petit bâtard, toi, par contre. Hein. Youpi ! T'étais un petit bâtard, mais c'est pas grave, Johnny, je t'en veux pas. L'erreur est humaine et on a tous fait des erreurs, Johnny. On est potes maintenant, j'imagine. Même si ça me fait mal. Et toi, t'étais le pire des salauds. Hop, là, par exemple, je me suis foiré. Faut vraiment être collé. Ok, faisons un selfie ensemble. Toi, t'es un petit salaud aussi, mais bon. Le mec, totalement cool, insensible sur toutes les photos. Ok, influenceur de niveau 2, c'est pas mal, c'est bon. C'est pareil, c'est tellement nul. On a toujours un accès, enfin on a de nouveau un accès à la ville d'à côté, enfin... Juste à côté, oh je peux prendre un selfie. Aucune trace de sacripant dans les parcs, mais j'ai une petite idée. On va voir où ça nous mène. T'as besoin d'une chaudasse, Billy. Tu peux me trouver une capote? Non mec, je veux faire un selfie avec toi, t'es trop stylé. C'est quoi le problème de ce truc à la con? J'espère que tu m'as amené de bonnes choses, Billy. Attends. Ma kékette a besoin d'une chaudasse, ah, Billy. Putain, on peut arrête pas, on peut pas question, connard. T'es loin d'avoir assez de followers. Faut que je protège mon hashtag. Oh là 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 là, dire qu'il y a des gens comme ça en vrai, les gars. Et ça, c'est terrible. Ils se foutent de la gueule de tout le monde. C'est ça qui est bon, les gars, dans South Park. Ok. Oh, recette antidote. Allez, hop. Ça, c'est dans la boîte. On a des sachets de sauce soja au gluten. On a des tortillas, c'est terrible tout ce qu'on a. Allez, hop, on va fouiller. Il y a peut-être Stan chez lui, non? Hop, yes, figurine d'Action Street Warrior. Fiche de perso, de boîte à outils. Là, on est en train de tout ruiner, les gars. On est en train de tout vider. C'est moi qui vous le dis, on fait clairement le ménage là-dedans. Ok. On allume son PC. Il va flipper quand il va arriver chez lui, le gars. Je suis en train de ruiner toutes les maisons. Oh, il y a une fissure. Mais quel est donc ce sortilège? Hop, on va prendre ça, les gars. Guide porno, meurtre informatif. Ah, oh, voilà. 12 centimes de dollars, couvre-chef, bon essai. Oh, c'est pas mal, ça me plaît. Il y a moyen qu'on le sorte, ce couvre-chef, les gars, très rapidement. Ok. On est d'accord que je viens de casser un mur totalement gratuitement chez quelqu'un, il n'y a pas de souci. Toujours fermée cette porte, je sais pas ce qu'elle renferme. Ah. Voilà la photo du cheval. Ah putain, elle est lourde. Qui sont lourds, les mecs. Attends. On sait jamais, sur un malentendu. Oui, il doit se passer des trucs là-dedans. Ok, on peut bouger, y a plus rien. Y a plus rien, on a ruiné la maison. Peut-être. Je suis déjà allé là, j'ai un trou de mémoire. Il me semble que oui, attendez. Yes, on est déjà allé ici. Heureusement qu'il n'y a pas de temps de chargement dès que tu ouvres une porte à l'ancienne. Pas question, connard. T'es loin d'avoir assez de followers. Je me casse, sa voix est insupportable. Ok, mon frérot. Hé, hey, toi, tu saurais pas quelque chose? Quelqu'un raille la voiture de ma femme la nuit. Ça arrive toutes les nuits. Au début, je pensais que c'était l'un d'entre vous, mais bon. Viens jeter un œil. Celui qui raille la voiture laisse aussi des messages. Je crains que ce ne soit un amant éconduit ou autre. Tu m'oublieras pas aussi facilement. Je croyais qu'il y avait quelque chose entre nous. Je vais tout cafeter, salope. Écoute, j'en ai marre de devoir gérer cette merde. Si t'arrives à choper le coupable, je te suivrai sur Instagram. Fais-moi confiance, j'en vaux la peine. Je suis quelqu'un qui compte grave dans cette ville. Ok, rendez-vous, mystère. Découvrez qui raye la voiture de Randy.
Bah écoutez, on va découvrir ça très très vite. De toute façon, je pense que c'est pas bien loin. Oh, Amazon. Putain, il y a de la pub dissimulée. J'étais pas d'accord pour cette pub, moi, les mecs. Il faut venir de nuit. Celui qui fait ça agit dans l'ombre. Ah, donc faut le choper de nuit. Très bien. On va voir en ouvrant la carte si ça nous offre... Alors, il y a une mission à côté principal, mais il y a aussi une mission ici. Et faudra venir de nuit. Comment on peut venir de nuit? Ah, je vois que tu as trouvé le palais dans les nuages. La base opérationnelle de l'homme cerf-volant. Peut-être que tu le trouveras à l'intérieur. L'homme cerf-volant. Ok, on va voir où il est. On va voir ce qui s'est passé pour notre homme cerf-volant. Ah, 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 ah. Ok, les gars. J'ai trouvé. On y va. Et là, si je suis encore bloqué... Yes, bande de tissu, Chatterton et photo. J'ai pas le temps de lire, c'est terrible. Ok, c'est pas mal, on a tout fouillé. On rentre dedans, bah faudra revenir de nuit, d'accord. Je sais pas comment on peut faire en sorte de dérouler le temps. Que le temps, tiens on va allumer la télé, j'aime bien. Qu'est-ce qui se passe, frérot? Qui toi, bordel? Non mais sérieux, tu m'envoies un noob après mon signal de détresse? T'es un vrai connard, le Coon. Désolé, gamin, mais j'ai un problème bien trop important pour un débutant. Il y a quelques jours, une anomalie s'est produite dans l'univers. Une autre version de moi. L'homme cerf-volant d'un autre univers s'est pointé ici. Il détruit tout, il est dans ma chambre et rien ne peut l'arrêter. Qu'est-ce que c'est que son délire? Va dans la chambre de Kyle. On va y aller les gars. Mais attendez, avant d'aller dans sa chambre, il est temps de le ruiner. Sérum de réanimation. D'accord. On dit pas réanimation. On dit réanimation. D'accord, ok, pourquoi pas. Je suis pas là pour juger les gars. Mais ils ont tous des trucs incroyables dans leur jardin. Attendez, mais c'est énorme! Ok, par contre, ça sert strictement à rien. On se casse. Ils ont tous des jardins incroyables. On va essayer de fouiller derrière. Y'a rien. Y'a strictement rien. Ok, on est reparti. Il a une sorte de petit skatepark, là. Il s'est fait des petits plaisirs. Ou lancement de fusée. J'arrive, mon frérot. Bon, c'est quoi ton délire, là? Y'a qui, là? C'est qui dans ta chambre? Je ne comprends pas. L'homme cerf-volant d'un autre univers se trouve derrière cette porte. Je peux pas le combattre, pour des raisons évidentes. T'imagines bien. Distorsion d'univers parallèle et tout le toutime. Alors c'est toi qui vas t'en charger. Tu dois lui botter le cul pour qu'il retourne chez lui. T'as compris? Chope-le. Oh, salut Kyle, me revoilà. The Human Kite 2. C'est qui ton copain? Il est venu jouer avec nous? Bon, moi d'un autre univers, il est temps pour toi de repartir d'où tu viens. Ben quoi, Kyle, on est une équipe, je te rappelle. Je suis pas d'un autre univers, on est des super potes. Comme tu peux le constater, c'est lui qui entache la réputation de l'homme cerf-volant. Il a été envoyé ici pour me détruire et saper mes pouvoirs. Non, non, je suis venu passer 2 semaines avec mon cousin et j'ai voulu jouer au super-héros. Alors il a dit, ok, tu veux être lequel? J'ai dit, l'homme cerf-volant. Et il a dit, tu peux pas être cerf-volant parce que c'est moi. Alors j'ai dit, pourquoi on serait pas l'homme cerf-volant tous les deux? Et je suis allé voir Tanchella et je lui ai tout raconté. Et elle a dit qu'elle devait faire comme je voulais parce que c'est lui qui invite. Tu te rappelles? Je suis désolé, moi, d'un autre univers. Mais il est temps que t'apprennes que jouer au super-héros, ça fait mal. Le nouveau, tu dois détruire mon alter-ego, maintenant. Oh, seigneur, on va se battre. Eh oui, mec, si tu veux jouer, alors c'est comme ça qu'on fait. Bon, bah d'accord. Si ça peut me rapprocher de mon cousin, prépare-toi à combattre à Vorton. Bah, l'homme cerf-volant d'un autre univers. Comment c'est le combat, d'accord. J'ai jamais fait beaucoup d'entraînement. C'est un truc sans contact. Full contact, pas d'entraînement. Alors j'ai peur de devoir refuser, je n'ai pas mes protections. Oh, pas question! Chope-le, le nouveau! Cousin Kyle, on peut les battre si on unit nos forces. Ouais, j'aimerais bien, mais les règles des univers parallèles sont contre. On va lui mettre ça, pour commencer. Oh, je vais avoir besoin de ma bonbonne de pommade et d'aide pour l'étaler, s'il vous plaît. Oh putain! Oh, je pensais pas que je te frapperais vraiment. Énorme! Ce qui m'a mis... Non mais les petites réparties à chaque fois, ça par contre c'est vraiment le kiff, hein, franchement. Allez mec, t'en mords, je commence à avoir des vertiges. Ah seigneur, vas-y à fond. Oh là là, 18. Ah c'est peut-être plus worse le 777, hein. Ok, le liquide forcément, de mon oreille interne s'est stabilisé. Ça fait 21. Le dernier coup comptait pas, hein. J'étais dans les vapes. Phew. Un grand classique des conneries d'univers parallèles. Oh putain, j'oublie de récupérer ma vie à chaque fois, mais c'est terrible ce combat. Tes parents t'ont jamais dit de pas jouer avec le feu? Regarde ce que t'as fait. Une seconde, j'ai besoin d'un temps mort pour utiliser mon inhalateur. Ok. Quoi, j'ai foiré? Oh là, j'ai chié. J'ai chié, my bad les gars.
J'aurais pu lui mettre beaucoup plus de dégâts. J'ai demandé à temps mort et il n'a pas écouté. Tu sais que mon asthme revient dès que je fais de l'exercice. Ouais, je crois que ça serait plus juste si j'avais un bouclier ou un truc comme ça. En l'occurrence, ce sphère thorac a aussi une grande valeur sentimentale. Mec, l'homme cerf-volant est un extraterrestre. C'est pas des trucs juifs. Et tu peux pas inventer des pouvoirs en plein milieu d'un combat. Je n'invente rien, c'est tout à fait légitime dans mon autre univers. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une invocation. Quoi? Kyle, pardon, vient d'utiliser protection, indiquée par la barre bleue au-dessus de sa santé. Protection absorbe tous les dégâts jusqu'à épuisement. Quelqu'un aurait de l'hydrocortisone en crème, sur ordonnance de préférence. C'est terrible. Attends, je pense que ça devrait être mon tour, pas celui du nouveau, parce qu'il a pas attendu tout à l'heure quand j'ai demandé une pause, donc je pense que ça devrait être à moi. Tu plaisantes? C'est carrément de la triche! Ah mais il attaque vraiment ce bâtard! J'y suis pas allé trop fort, je voudrais pas que t'aies des séquelles. Ok, heureusement que... Allez. Ouah. J'ai mal à l'épaule parce que mon épaule est très sensible parce que je me suis déchiré un muscle en attrapant une balle. Très bien, c'est parti pour mon super pouvoir ultime. Quoi? Prépare-toi, t'es prêt? Oh, putain! Ok, colère du cerf-volant d'un autre univers. Il est mort? Oh yes! Je suis une machine! Masque œil de faucon, crème solaire indice 50, les médicaments et 0,27 centimes. C'est énorme les combats comme ça. Ah mon dieu! Je crois que j'ai rompu mon hernie. T'en as assez de mon moi alternatif? Ouais, ce truc de super-héros, ça fait un mal de chien. Je ferais mieux de regagner mon univers. Oh, tu t'en vas? Ça craint! Ouais, je vais regagner mon univers, homme cerf-volant. Il me faut du campo phénique pour mon oreille. J'ai récolté une égratignure en me faisant péter dessus. Mec, je sais pas comment te remercier, mais désormais, compte sur moi si t'as besoin d'aide. C'est tellement con. Ami de combat, l'homme cerf-volant. Bah voilà, ça fait plaisir, on a un ami de combat. Ça, c'est plutôt cool, ça. Ok. Prochaine mission, ça sera... Rendez-vous mystère. Moi, ça me plaît bien, mais faut venir de nuit. C'est là le souci. C'est comment venir de nuit? Donc en attendant, on va faire les chaînes de Super Craig. Et puis on verra. Allez, on est parti les gars, on va fouiller chez lui. Hein. Ah, il va pas y échapper le frérot. Je suis désolé mon poteau, de toute façon maintenant on est amis. Pas cool! Ouais mais gros, c'est allez, ce que tu mérites. Allez, viens, on fait un selfie tous les deux pour fêter notre victoire. Allez, t'as bien raison okay, mon pote. Ouais, juste deux héros en train de glander. Ça me fait plaisir ça. Youpi! Kyle en ami, ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a là? On n'a pas grand-chose, finalement. On n'a rien, on n'a juste rien, on peut partir. Ok, on a Kyle en ami, ça c'est plutôt cool, c'est la classe. Hop, on va pouvoir rentrer là-dedans. On va fouiller sa maison. Flacon de pissat. Très bien. Essaye de taper dans les lits depuis qu'elle m'a dit qu'on pourrait mettre des trésors dans le lit. Ok, je trouve rien de plus. Ah, vous avez vu le grenier au-dessus? Attendez, on peut chier ses grands morts. En fait, je dois baptiser les chiottes de tout le monde, c'est ça, les gars? Oh putain, c'est bruit. Et voilà, c'est tombé, les gars. Seulement aller aux chiottes, c'était un jeu vidéo. Ok, c'est pas mal, tout ça. C'est pas mal. Attends, on a chié chez tout le monde, en fait, je crois. Hein. Dites-moi un endroit où on n'a pas chié. Ah, c'est pas mal, ça. Oh là! Twig et Craig, surprise moite. Collectionneur de yaoi. Ok. Oh! Frérot! Ça va, mec? On fait un selfie. Oh, énorme! Attendez. Qu'est-ce qu'on a? Youpi! Allez. On est bon. Ils encore ont pris une photo. Oh. Rencontre le père de Craig chez lui. D'accord. Une mission alternative. Très bien. Hé, petit, tu viens de trouver une œuvre yaoi. Tu connais ce terme, il faut qu'on parle, c'est super urgent. Hé, je vais en prendre une. Tu peux pas. Ah, ça c'est les commentaires en direct que j'ai.
Ah, c'est pas mal, ça me plaît tout ça. On va s'arrêter là, les amis. N'oubliez pas le petit j'aime et le commentaire. On va ressortir en ville, évidemment. On a pas mal de missions qui sont offertes à nous maintenant. Et on va pouvoir continuer, tout simplement. Mais en tout cas, c'est plutôt cool. On a 2 missions secondaires. Sachant que je ne pourrais pas faire rendez-vous mystère, étant donné qu'il faut venir de nuit. On va faire mission périlleuse, tout simplement. Mission périlleuse, c'est où? D'accord, c'est à l'autre bout. Très bien. C'est totalement à l'autre bout de la ville. Il n'y a pas de souci. La ville est grande, hein, quand même. Hein. La ville est super grande. Il y a les boutiques, par contre, principales et tout. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ah oui, mais c'est même très grand. C'est même très grand. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3. Portez-vous bien. Portez-vous bien, comme d'habitude. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.